J'adore les voitures agressives. Voilà, j'adore les voitures classe, mais je préfère les voitures agressives. Oh! J'étais agressif pourtant. Je prends encore beaucoup plus peut-être de plaisir que voir quelqu'un conduire ma voiture et le regarder. C'est parce que je me dis que c'est ma voiture, donc voilà. C'est vrai qu'ils ont sorti ce Need for Speed avec toutes ces belles bagnoles, ça donne des idées aux gens et attention, hein, ça peut aller vite. Et je me suis régalé, franchement, je voulais pas lâcher la manette. Bon, j'ai essayé un petit peu toutes les caisses, ce qui en est ressorti, c'est que ben, ça pousse, hein, ça pousse et c'est des bons bruits, des gros engins et franchement, je me suis régalé. Bon, je conduis pas comme je conduis dans la vraie vie, hein, parce qu'autrement, je serais plus ici, hein, mais c'est vrai que c'est un super jeu. Franchement, c'est s'approche de la réalité. Et, franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir. Pour moi, c'est hyper important d'avant faire une course ou quand t'as une voiture, c'est d'écouter le bruit. Et moi, j'y prête beaucoup d'attention sur ça. Et voilà, ce sont tous des beaux bruits différents, mais des beaux bruits. On peut pas la faire ronronner des fois. Moi j'adore l'adrénaline. Ben là tu en as, c'est vrai que tu arrives à... J'ai fait une pointe jusqu'à quand même 300-305. Moi j'ai fini dans le fossé. Mais bon, franchement, t'as de la sensation quand même. Donc tu te prends au jeu en fait. Puis tu te prends dans la course et t'es tellement concentré, t'es tellement dedans que ça te procure beaucoup de plaisir et beaucoup d'angoisse un petit peu. 280. Attention. Poursuite gagnée. La première voiture, ça a été une 106 verte. Après, une Seat Ibiza, Audi A3, SLK, ML Mercedes, la R8, Aston Martin, Lamborghini. Ah, oula, 240, 200, oh là là. Pas d'accident. Oh. J'ai roulé avec, j'ai essayé un petit peu tout. La Lamborghini, bien sûr, la R8. La Maserati, la Bentley, la McLaren. J'ai beaucoup aimé la McLaren aussi. Et là, je viens d'en découvrir une, donc je ne connaissais pas. Donc, je vais me renseigner quand même un petit peu sur Internet ce que ça donne. On va changer de voiture. Je fais la dernière comme ça. Je fasse une belle pointe à 250 au moins. Voilà, les grandes lignes droites. Et... J'aime aussi les courses, mais j'aime aussi me balader, faire ce que je veux avec la voiture et la tester. Des dérapages, enfin ne pas prendre la tête quoi. Quand tu t'y mets, je pense que tu t'arrêtes plus après. Si t'aimes la vitesse, t'aimes l'adrénaline, je pense que avec ce jeu Need for Speed, t'es bien servi. Need for Speed Most Wanted.